théâtre. Après avoir appris que le prince Harry se rendrait seul au couronnement du roi Charles III le 6 mai prochain, nos confrères du Mirror ont fait savoir que le nouveau monarque avait pris une décision importante, moins d'un mois avant la tenue de cet événement historique. Selon les informations communiquées ce mercredi 12 avril, l'époux de Camilla a en effet interdit aux caméras de télévision présentes ce jour-là de filmer la partie la plus sacrée de la cérémonie, autrement dit le moment où il est oint d'huile sainte, avant d'être officiellement couronné à l'abbaye de Westminster. Au départ, le souverain avait songé à se positionner derrière un drap transparent, mais il a visiblement fait volte-face. Comme précisé par nos confrères britanniques, le fils d'Elisabeth II a finalement choisi de se cacher du public durant cette étape aussi importante que symbolique. Comme précisé par le Mirror, un porte-parole du palais de Buckingham a confirmé hier soir que les caméras de télévision ne montreraient pas l'onction sacrée du roi. En prenant cette décision, Charles III, qui a pourtant bousculé plusieurs traditions depuis le début de son règne, prend son rôle et sa relation avec Dieu très au sérieux et continuera l'onction telle qu'elle a été effectuée auparavant dans son intégralité, a observé une source royale. Et nos confrères de souligner, jusqu'au XVIIe siècle, le souverain était considéré comme nommé directement par Dieu et cela était confirmé par la cérémonie de l'onction. À l'image de la reine Elisabeth II avant lui, Charles III a donc voulu que ce moment très sacré demeure intime. Kate Middleton, reine Camilla, Charles III. La famille royale de sortie pour Pâques après des mois de spéculation, le prince Harry et son épouse Meghan Markle, qui ont tous les deux été conviés au couronnement de Charles III, ont enfin fait part de leur décision. Dans un communiqué publié ce mercredi 12 avril, Buckingham Palace a confirmé la venue à Londres, le 6 mai prochain, du fils cadet du souverain. Ce dernier ne sera en revanche pas accompagné de sa femme, ni de leurs enfants, Archie et Lilibet, qui resteront en Californie. Sur Twitter, le journaliste Omid Scobie, toujours très proche des exilés de la couronne, a détaillé la raison de cette absence significative. Je crois savoir que le 4e anniversaire d'Archie, également le 6 mai, a joué un rôle dans la décision du couple, a rapporté Omid Scobie. Il faut s'attendre à un voyage assez rapide au Royaume-Uni pour le prince Harry, qui n'assistera qu'à la cérémonie de couronnement à l'abbaye de Westminster, a précisé l'auteur de Finding Freedom. Alors, le frère de William passera-t-il en coup de vent en Angleterre? Réponse le mois prochain. Crédit photo, Best Images.